los asteroides son muy mezclados. De un asteroide es una mezcla de muchísimas composiciones que no pueden haberse formado tan cerca. Hace falta más distancia al Sol entre uno y el otro para que se haga relevante. Entonces, fue contraído todo. Y justo al lado del cinturón de asteroides hay los troyanos de Júpiter, que estos sí que son super mega homogéneos. O sea, son todos iguales. Entonces, igual eso marca algo. O sea, de un lado tenemos un pupurrí y al lado tenemos algo muy homogéneo. Son claves para eventos dinámicos. Y eso es lo que vamos a usar para construir la historia del sistema solar. Entonces, es lo que represento aquí con el disco al principio y el sistema solar al final. Y no tenemos nada entre los dos. Menos lo que se llama el bombardeo tardivo, o sea, late heavy bombardment, que dice eso. Gracias a las medidas de cráteres en la Luna se puede ver cuántos impactos hubo, cuál es la actividad de colisión. Y gracias a las sondas Apolo, que han traído otros hitos, hemos podido poner una fecha gracias al carbono 14. Y lo que vemos es que en función del tiempo, eso es 3.000 millones de años, 4.000 millones de principio del sistema solar, pues la cantidad de impactos ha disminuido. Lógico, las cosas se hacen por colisión al principio, pero poco a poco se limpia el sistema solar y hay menos impactos ahora. Pero parece ser que hace 3.800 millones de años hubo como un evento con más colisiones en el sistema solar. Durante 200 millones de años parece ser que fue muy caótico con muchas colisiones. Entonces nos da como un poco un timing para lo que pasó. Donc, après les planètes Lepticor, qui nous donnent vraiment l'état final du système solaire à partir du supposé disque d'origine, en fait, on a très peu d'informations sur les 4,5 milliards d'années. La seule information qu'on a, c'est ce que je viens de décrire en espagnol, c'est ce qu'on appelle le bombardement tardif, LHB, Late Heavy Bombardment. Donc, quand on prend le taux de cratérisation sur la Lune, taux de cratère donne le nombre d'impacts qu'il y a eu, hein. Et grâce aux sondes Apollo, on a pu mesurer par carbone 14 certains des âges de certaines régions. On a pu voir que les différentes régions qui correspondent à différents taux de cratérisation donnaient une courbe qui globalement décroît en fonction du temps, donc 2 milliards d'années, 3 à 4 milliards d'années, et le taux de... là c'est en masse, mais c'est équivalent au taux de cratère. Et donc on a une décroissance au cours du temps, ce qui est logique, puisque le système solaire au début s'est formé par des collisions, il y a beaucoup de chocs, beaucoup de cratères, et puis ben, petit à petit ça s'est nettoyé, il y en a moins. Sauf qu'il y a 3,8 milliards d'années, on a l'impression que d'un coup il y a un sursaut d'activité dans le système solaire. Pendant 200 millions d'années, il y avait 10 fois plus de collisions. Donc ça donnait une sorte de référence temporelle sur, à ce moment-là, il y a dû se passer visiblement quelque chose, où le système solaire était beaucoup plus dynamique. Donc armé de les différents observables et le LHB, voyons comment on va pouvoir construire l'histoire du système solaire. Alors, tout commence par ce qu'on appelle maintenant le ground attack. C'est une description de ce qui se passe au tout début, quand on est encore dans les premières centaines de milliers d'années. Hein. On est encore vraiment dans le disque de gaz. Donc, comme je vous ai dit, hein, a priori, logiquement, à partir du moment où une planète grossit, migration de type 1, elle va plonger vers son étoile. Donc il n'y a aucune raison que ce n'ait pas été le cas dans notre système solaire. Donc, ce que décrit le grand axe, c'est ses premières étapes. Donc on imagine que au début, on a, alors chaque, ça c'est la distance au Soleil, là c'est l'excentricité des orbites, et chaque panneau correspond à une date différente, on va de 0 à 500 000 ans, donc un demi-million d'années. On a les 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et via migration de type 1, qu'on ne sait pas freiner, hein, je veux dire, a priori ça se passe toujours, Jupiter tombe vers le Soleil. Ce faisant, il perturbe complètement les petits corps du système solaire. Et là, ce qui nous sauve un peu, c'est qu'évidemment, Jupiter grossit et va démarrer, cette fois-ci, il va être suffisamment gros pour ouvrir un gap. Donc, il va arrêter sa migration de type 1 pour passer en migration de type 2, qui est beaucoup plus lente. Sauf que derrière, arrive Saturne, qui lui grossit petit à petit, mais encore plus petite que Jupiter. Et donc, elle n'est toujours pas rentrée en migration de type 2, toujours en type 1. Vous avez Jupiter qui migre à l'intérieur très vite, au bout d'un moment, il s'arrête. Et vous avez un Saturne qui arrive par derrière, très vite aussi, migration de type 1. Arrivé juste au moment de la résonance 2-1 avec Jupiter, donc quand Jupiter fait deux tours, Saturne un tour, les deux planètes rentrent en résonance. Et comme elles sont de masse relativement similaire, Saturne va rester bloqué avec Jupiter. Et donc au lieu de tomber vers Jupiter et de pousser vers l'étoile, ils vont rentrer en résonance, rester bloqués.
Saturne va pouvoir grossir et ouvrir un gap lui aussi. On va rentrer en présence de type 2 dans les deux cas. Et sauf que là, la masse conjointe des deux planètes fait que la migration type 2 va repartir vers l'arrière. Ce qui est décrit ici. Donc en gros, on a été sauvés de ne pas avoir un Jupiter chaud dans le système solaire et de ne pas être là du coup, puisqu'il n'y aurait pas de Terre qui aurait été poussée dans le Soleil, parce qu'on a un Saturne qui est un petit peu moins grand que Jupiter qui arrivait derrière. Accessoirement, on n'a aucun exemple d'exoplanète où il y a un Jupiter chaud suivi d'un Saturne. C'est-à-dire que visiblement, quand il y a un Jupiter chaud, il n'y a jamais de Saturne par derrière. Il n'y a jamais de grosse planète massive qui aurait pu le ramener par le mécanisme que je décris. C'est-à-dire que pour l'instant, sur 3000 exoplanètes, il n'y a encore aucun système qui contredit cette vision. Vuelvo a explicar eso, que es la parte más técnica de toda la charla. Estamos al principio del sistema solar cuando todavía hay gas y polvo en el disco, ¿vale? Estamos hablando de los primeros cientos de miles de años. Como decía, eje semimayor, la distancia al Sol, en cada panel es la excentricidad de aquí y cada panel es una época dada, 500.000 años, 300.000, 100.000, etc. O sea, el tiempo va bajando. Según lo que entendemos de cuando un planeta se forma, va a salir en migración tipo 1, con lo cual va a caer hacia la estrella. Por eso tenemos tantos Neptunos calientes y Júpiter caliente. Entonces, Júpiter no contraviene a la regla, o sea, cae hacia el Sol. Es lo que vemos aquí. Y engordece al mismo tiempo. Cuando llega a una masa crítica, para la migración de tipo 1, porque él va a abrir un gap en el disco. Y entonces su migración va a ser mucho más lenta. Justo detrás de él tiene Saturno brindando el cambio de migración, esta vez de tipo 1 porque es más pequeño. Y tenéis a Júpiter migrando, se para porque llega en tipo 2 y Saturno llegando detrás en tipo 1 mucho más rápido. Os acordáis que las dos migraciones tienen tiempos diferentes. Pero como los dos planetas están en relaciones de masa más o menos semejante, cuando Saturno llega atrás entra en resonancia con Júpiter. Y se va a quedar aquí. O sea, en vez de caer hasta Júpiter, se va a quedar en la resonancia 2-1. Con lo cual, no va a caer, se va a parar y va a engordarse efectivamente hasta abrir él también su gap. Y entonces ahí es la clave. Cuando los dos planetas juntos abren su gap, la razón de masa de estos dos planetas con respecto al disco hace que van hacia afuera. Dejan de ir hacia dentro, pero salen hacia afuera. Y entonces van a migrar lentamente hacia afuera. Significa que estamos salvados de haber no existido, porque si Júpiter había seguido migrando hasta el borde del disco, convirtiéndose en Júpiter caliente, pues no estaríamos aquí. Lo que nos salvó fue Saturno. El hecho de que haya un planeta gigante menos masivo que el primero al exterior. Y algo muy importante aquí es que de los 3.000 exoplanetas que tenemos, no hay ningún Júpiter caliente que tenga algo tipo Saturno al exterior. Significa que si había un Saturno al exterior, no fue un Júpiter caliente. O sea, de momento, de 3.000 sistemas exoplanetarios, no tenemos ninguno que contraviene esta explicación. Que otra vez está basada solamente en los dos tipos de migraciones que son, en principio, bastante simples. Entonces, lo que pasó de todo eso hizo que las órbitas se excitaron mucho, como podéis ver, como al principio todo está en el disco y luego como las cosas se van en todas partes, o sea, se ponen más inclinadas, se mezclan las composiciones aquí, y entonces el bilán de todo eso es que tenemos, después de la caída y migración hacia afuera, mucha pérdida de masa y mucha mezcla en el sistema solar interno, o sea, del rojo, azul, azul, queda un poco de todo aquí. Donc, la chose importante avec cette étape de grand pack, c'est qu'on a, du coup je vais revenir un cran en arrière, désolé, c'est qu'on a une excitation énorme des orbites. Vous avez tout qui est dans le plan ici d'éclectique, et au fur et à mesure que ça bouge, vous allez avoir un mélange complet, vous voyez des couleurs dans tous les sens, des orbites très excentriques, et au final un bon mélange de composition dans le système solaire, puisqu'au final tout s'est retrouvé un peu mélangé, donc ça manque beaucoup. Donc on a la migration type 1 suivie de la type 2, qui résulte en énorme perte de masse, ce qui nous arrange bien, puisque dans les ceintures, principalement ceinture d'astéroïdes, si vous voulez former un CRS à 1000 km, vous avez besoin d'avoir énormément de masse à la base, mais par contre, la masse actuelle fait 0,4%, la masse de la Lune est extrêmement faible, donc il y a besoin de perdre beaucoup de masse, et ça mélange complètement la composition.
algo que oí decir antes, que por qué para la explicación era tan interesante para nosotros tener un proceso físico que hace perder masa. Es, si uno mira los asteroides más grandes como Ceres, significa para formarse que había mucha masa disponible para acretar. Problema, la masa actual no corresponde. Entonces, la explicación natural era que había más masa antes y se perdió. El problema era cuál era el mecanismo. Pues con el mecanismo de las dos migraciones tenemos algo que nos explica eso. Hemos visto a Philippe Allain. Aquí solamente ni siquiera el primer millón de años, ¿vale? Pero medio millón de años. Lo que tenemos después es lo que se conoce como el modelo de Niza, que describe lo que pasó después. Porque cuando Júpiter y Saturno van migrando lentamente hacia afuera, un poco después se van a encontrar con Urano y luego con Neptuno. Y todos sus planetas van a hacer como una guirlanda con resonancias. Y eso se observa en muchos exoplanetas, donde los sistemas planetarios se ordenan con resonancias. Lo que pasa es que estas organizaciones en resonancia son metaestables. O sea, pueden ser estables, pero nunca admitan eterna. Hay un momento dado donde se quiebran. Uno nunca sabe si son 20 millones de años o 200 millones de años, pero hay un momento dado donde el sistema es caótico y se deshace. Y lo que pensamos es que eso es lo que se llama la instabilidad tardiva, que es lo que describe el modelo de Niza, es que esta configuración ordenada, después de 700 millones de años, se quebró y entonces, con la interacción entre los planetas, eyectó, empujó a Neptuno más afuera, que es lo que se ve en tiempo aquí, donde la órbita de los planetas migra hacia el exterior, Neptuno empuja totalmente lo que era el cinturón de Kuiper, bombardea el sistema solar interno con entonces estos objetos durante cierto tiempo, explica el bombardeo tardivo y explica por qué los transitionados están tan inclinados, porque hemos tirado Neptuno en el medio y obviamente hace un poco bullying. Incluso hay ciertos modelos que para explicar eso, proponen que hubo un quinto planeta gigante que fue eyectado después y por eso hubo tanta resonancia cuando Batygin y Brown predicieron planeta 9, porque gracias a eso ya teníamos la idea de que había un quinto planeta. Entonces después de decir, ya, sigue aquí, había como una base teórica de decir que sí podía ser este planeta. Donc le point, une fois que le temps évolue, vous avez, une fois que Jupiter et Saturne partent en migration type 2 vers l'extérieur, petit à petit vont rencontrer Neptune et Uranus. Et vous allez avoir comme ça des planètes qui vont s'en donner en chapelet de résonance. C'est une configuration qu'on trouve très souvent dans les systèmes d'exoplanètes multiples. Vous avez toutes les planètes qui sont ordonnées par résonance, un peu comme le système de Jupiter avec ses satellites. Et le souci avec ce genre de chapelet de résonance, c'est que c'est un système métastable. C'est pas du tout un système qui va rester stable pour toujours. Donc il y a bien un moment donné, comme le système est chaotique, où la stabilité va casser. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si ça doit arriver au bout de 20 millions d'années ou au bout de 500 millions d'années. Ce qu'on sait, c'est que c'est quelque chose qui généralement ne perdure pas. Donc là, l'explication offerte par le modèle de Nice, c'est que cette instabilité est dite tardive parce qu'elle arrive au bout de 700 millions d'années. Et elle a repoussé Neptune plus loin sur son orbite actuelle. Hein. C'est pour ça qu'on a eu le bombardement tardif. Vous avez Neptune qui déboule dans la ceinture de Kuiper, déstabilise toutes les orbites, ce qui explique pourquoi elles sont inclinées. Explique pourquoi on a reçu beaucoup plus d'impact dans le système solaire à ce moment-là, puisque évidemment on a tout déstabilisé. Et dans ce cadre du modèle de Nice, on a une explication faite pour une cinquième planète géante. Les gens ont commencé dès 2011 à postuler qu'il y a eu une cinquième planète géante qui a été un peu le moteur aussi pour certains de ces processus et qui avait été éjecté plus tard. C'est pour ça qu'on avait pu. Donc c'est pour ça que l'année dernière, quand Batygin et Brown ont dit ah, mais il y a peut-être encore une 9e planète type Neptune, un peu plus loin, à 400 unités astronomiques, il y a eu un aussi fort écho de la part de la communauté, c'est parce qu'on avait déjà la genèse de cette planète. C'est pas quelque chose qu'on tirait du chapeau comme un lapin, c'est qu'on avait une genèse qui pouvait dire oui, c'est logique qu'il y ait une planète en plus sur une orbite assez excentrique et assez éloignée de tout le matin. Donc voilà un peu comment on pense vraiment les grosses étapes du système solaire, hein, donc migration de Jupiter et de Saturne vers l'intérieur, heureusement bloqués par leur interaction et leur entrée en résonance, migration vers l'extérieur, repousse de Uranus et Neptune qui se déstabilise au bout de 700 millions d'années et mélange complètement le système solaire externe. Et accessoirement, toutes ces étapes
décrit vraiment bien les masses des planètes, les distributions d'orbites dans les petits corps, les distributions de composition dans les petits corps, et d'autres modèles ont été proposés jusqu'à présent, mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais réussi à décrire aussi bien les propriétés observées. Donc je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais qu'à l'heure actuelle, c'est le seul enchaînement d'événements qui correspond à ce qu'on observe à l'heure actuelle. Et este conjunto, Granta y modelo de Niza, que describen migración de Júpiter-Saturno hacia adentro, entra en resonancia, migraciones al exterior que empuja Neptuno, que se quedan así bloqueados y después de 700 millones de años se desestabilizan y cambian totalmente el sistema solar exterior, es de momento la única secuencia de eventos que explica totalmente las propiedades que midemos en los planetas y cuerpos enanos. Tenemos otros modelos que han existido a lo largo de los 20 años, pero ninguno representa bien el sistema solar actual. Yo no digo que lo que he contado ahora sea la verdad bíblica, pero de momento es la mejor explicación que tenemos. Y otra vez se basa en un par de procesos físicos que hace 30 años no teníamos conciencia de ellos porque no sabíamos lo que pasaba en un disco, pero ahora son bastante simples, como interacción planeta-disco y luego resonancia órbita. Entonces, de momento es la mejor explicación que tenemos, y si habéis prestado atención, en general los artículos que pongo son todos de hace menos de 5 años. Entonces, aquí acabo con la descripción de lo que se piensa de la formación del sistema solar, y a ver un poco cuáles son las grandes preguntas actuales. Tenemos millones, y solamente haciendo la lista me tendría hasta la semana que viene, pero aunque tengamos ahora esta gran idea de cómo se ha pasado el tema, tenemos todavía muchas preguntas en los detalles. Es como dicen, como que el diablo se esconde en los detalles, ¿no? Pues aquí estamos. Entonces, tenemos también un problema. Aparte del polvo, no sabemos muy bien cómo se forman los ladrillos, cómo pasamos de la escala de polvo milimétrico a bolas de un kilómetro. Todavía nadie ha entendido eso. Y es muy importante porque son con estas bricas, estos eran ladrillos, que luego formamos los planetas. Y allí, en realmente la génesis dentro del disco, pues no sabemos. Entonces, igual tenemos ideas de cómo pasó la migración planetaria, pero en los detalles nos gustaría tener más ideas. Como he dicho, hay gente que dice que a lo mejor con un quinto planeta, hay otros que dicen que no, y eso es bastante gordo como pregunta. Detalles, me gustaría saber eso. Todo ligado a eso, hay la cuestión del agua sobre la Tierra que voy a tratar un poco después. Y entonces, para tratar estas preguntas tan fundamentales, tenemos toda una lista de preguntas que son, digamos, menos fundamentales, pero que están muy ligadas. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los asteroides? ¿Cómo se formaron? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es su estructura? ¿Si es la estructura del principio o si las colisiones en 4.000 millones de años han cambiado todo? He dicho que no evolucionaba con el tiempo, y es verdad, a grosso modo, pero la pregunta es si la superficie evoluciona un poco. O sea, cuando voy a la playa, bronceo, pues a lo mejor les pasa igual a los asteroides. Y realmente son preguntas que no son ingenuas, realmente son fundamentales. No, tenemos que entender eso si queremos seguir. Donc, maintenant que j'ai fini la descripción de l'actuel de la connaissance sur la formation du système solaire, quelques grandes questions qui nous occupent tous les jours. Alors j'en ai une liste, pas possible, mais j'en ai pris quelques-unes ici. Donc par exemple, il y a une grande question qui est comment est-ce qu'on fait les premières briques dans le système solaire? Vous avez le disque de gaz et de poussière, ok, ça en observe plein, vous avez des morceaux de poussière qui font typiquement le millimètre, ok, mais on n'a aucune idée de comment on passe de la taille du millimètre à la taille du kilomètre. Bon, juste on ne sait pas, on n'a aucune explication de comment la poussière arrive à former des conglomérats qui arrivent jusqu'au kilomètre. Si jamais on part avec des briques qui font un kilomètre, on arrive à faire le reste. Mais du millimètre au kilomètre, on n'a encore jamais trouvé d'explication. C'est énorme comme question, c'est vraiment la genèse. Et ça, on ne sait pas faire. Donc ça nous occupe bien. Aussi, même si je vous ai présenté une sorte de grand schéma de migration planétaire, en fait, dans le détail, on ne sait pas. Donc, je vous ai dit, soit il y avait 4 planètes géantes, soit il y en avait 5, c'est quand même pas pareil. Donc il y a encore des choses à trier. Et lié à ça, évidemment, il y a la question comment est-ce que l'eau est arrivée sur Terre, comment est-ce que l'eau est arrivée sur Terre, que je vais essayer de traiter un petit peu après pour vous donner un exemple. Et à partir de ce genre de grandes questions fondamentales de compréhension vraiment de la formation des planètes,
Hein, il y a tout un cortège de petites questions annexes qui vont nous aider à y répondre. Hein. Typiquement, bah, les astéroïdes, les comètes, les sciences hébriques, à quel moment elles se sont formées, à quel endroit elles se sont formées, en combien de temps elles se sont formées, est-ce qu'elles étaient toutes pareilles, est-ce que la structure est restée constante dans le temps ou non, parce que sinon, c'est-à-dire que ce que je vois maintenant, c'est peut-être parce qu'elle était admirée en année, donc il faut que je corrige un petit peu. Quel est le lien entre ces différentes classes d'objets? Est-ce que ces objets ont quand même une surface qui évolue avec le temps? Même si fondamentalement la composition n'a pas pu évoluer par, comme je disais, tectonique des plaques ou réaction chimique, peut-être que juste la surface évolue. Au final, elle est bombardée par les ions du Soleil depuis 4 milliards d'années, ça prouve que la fine pellicule de surface n'est pas la même. Or, c'est ce que moi je regarde avec mon télescope, donc ça c'est assez préoccupant. Donc voilà, c'est tout le genre de questions qu'on se pose pour essayer de comprendre vraiment comment le système solaire se forme. Aprovecho que tomo agua para preguntar si el sistema así con los dos idiomas os conviene. Porque para mí es matador. Je ne sais même plus si j'étais en espagnol ou en français même. Bon. Entonces, ¿qué hacemos con esta lista de preguntas? ¿Cómo atacamos el problema? Entonces vamos a tener grandes capítulos, grandes tipos de estudios. Estudiamos los asteroides, sí, pero en concreto, ¿qué hacen? ¿Vale? Y es un poco la idea que quiero daros ahora de ejemplos de qué hacemos cuando uno dice soy planetólogo y estudio asteroides. Entonces, una de las grandes cosas que hacemos solamente es contar. Hay uno aquí, dos aquí, hay tres. ¿Por qué? Porque más tenemos, si hay representantes poco frecuentes, pues necesito una gran estadística para verles. Entonces necesito contarles para ver cuáles son las poblaciones, para ver cómo las poblaciones se reparten. Y eso pasa por survey. No hay magia, es mirar mucho el cielo, mucho tiempo, muy profundo. Survey. Típico, Catalina, Sky Survey, SDSS, Gaia, LSST, que son nombres que conocéis. Donc, qu'est-ce qu'on fait vraiment quand j'ai dit je suis planétologue, j'étudie petit corps, l'idée de la fin de mon intervention va vous donner quelques exemples, quelques idées des chapitres vraiment d'études. Qu'est-ce qu'on fait? Quand je dis j'étudie les astéroïdes, ben, je peux faire plusieurs choses et je vais essayer un peu de vous décrire les grandes catégories. Alors la première chose, c'est vraiment le recensement. Quelles sont les populations? Comment est-ce que ça répartit? Quelles sont les propriétés? Donc évidemment, si je veux m'intéresser à des détails fins, j'ai besoin d'une grande statistique. Quelque chose arrive une fois tous les millions, ben, il faut minimum un million d'objets pour appréhender pour une fois. Et encore, c'est même pas sûr. Donc, ça passe par compter les objets, observer le ciel, profond, beaucoup, tout le temps. Autrement dit, on a besoin vraiment des grands surveys. Et là, les Rolls-Royce qu'on a eu dans les dernières années, c'était le Sloan, le Digital Sky Survey, et le Catalina qui marche encore. C'est vraiment des. Ils sont magnifiques pour découvrir des astéroïdes. Bientôt, on aura LSST, donc le télescope de 8 mètres en train d'être construit au Chili qui va. Va découvrir normalement une dizaine de millions d'astéroïdes, donc ça va être assez impressionnant. Et puis on a Gaïa en ce moment qui tourne. Donc vraiment, c'est compter les objets. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure sur Planète 9, je vais faire une petite digression qui est après de la fin en espagnol. Ça, c'est le système solaire vu depuis le dessus. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait, c'était il y a un an, on va dire, ça ressemble à ça. Là, le gros truc au milieu, c'est la ceinture d'astéroïdes. Là, vous avez les Centaures, et là, vous avez les objets de Kuiper. Et juste pour rire, là, si vous regardez, vous avez un gros trou là, et un gros trou là, et puis là, juste là, il y a une ligne. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas d'objet à cet endroit du système solaire, c'est que là, vous avez le plan galactique. Donc, du coup, vous observez moins, parce qu'il y a tellement d'étoiles dans le ciel que vous n'avez pas envie d'observer à cet endroit-là. Et là, la ligne ici, c'est juste, parce que quand ils cherchaient la deuxième cible pour New Horizon après Pluton, ils ont fait une recherche vraiment dédiée sur un endroit qui était où allait la sonde. Donc, tout d'un coup, vous en trouvez au milieu de l'astéroïde. Mais vous voyez qu'il y a encore énormément de biais, c'est pas du tout homogène. Donc quand les gens interprètent ensuite P9, la 9e planète, bah, certains disent qu'on n'est pas du tout non biaisé dans ce recensement-là et qu'il faut faire très attention. Si pequeña digresión, porque se me veut contenter sur les planètes à noyer, des batibidibles. Pues aquí lo que veis es una figura del sistema solar como estaba hace como un año, cuando hice la figura. Lo que vemos aquí es el cinturón de asteroides, los amarillos son los centauros y estos allí blancos son los objetos transneptunianos. Y el punto es que vemos que aquí no hay nadie y aquí no hay nadie. Pero en esta franja donde no hay nadie, de repente hay como una línea.
y eso es totalmente ligado a las observaciones, no es algo real. Aquí es la dirección del plano galáctico, o sea, no observamos porque hay tantas estrellas al fondo que es una pesadilla intentar descubrir algo de mí. Por eso tenemos muy pocos objetos aquí y aquí. Pero tenemos aquí una línea muy marcada porque es cuando New Horizons va hacia Plutón. Después querían hacer un flyby de otro objeto, o sea, lo van a hacer el 1 de enero de 2020, si no me equivoco, o sea, dentro de un par de años lo hacen. Y entonces tenían que buscar algo, y mala suerte, estaba en la dirección del plano galáctico. Entonces, igual lo han hecho, pero está todo alineado porque miraban solamente en una dirección. Entonces, por eso hay tanta gente que está criticando mucho el trabajo de Batygin y Brown, diciendo que si tenemos una estructura en el sistema solar externo, o sea, incluso más external a eso, es porque tenemos estas limitaciones observacionales que hace que estamos un poco locos y que el planeta no está. Entonces, si queréis, podemos hablar más de eso después, pero era para enseñar que realmente contar objetos ya es buena ciencia. Entonces, primer punto, contar los objetos. El segundo es estudiar su dinámica. No hay ninguna razón para que lo que veo a un lado ahora se haya formado donde lo veo, ¿vale? Puede haber cambiado de órbita. Entonces, necesito saber de dónde viene para entender cómo era el sistema solar original. Y también me permite ver un poco a dónde va después. Le deuxième point, c'est la dynamique. Il n'y a aucune raison que quelque chose que je vois à un endroit dans le système solaire maintenant ait toujours été sur la même orbite. Donc j'ai besoin de données dynamiques, d'évolution, pour savoir d'où il vient. Autrement dit, il ne s'agirait pas de dire que tel objet de telle composition maintenant est donc à cet endroit-là. Du disque c'était comme ça, quand au final il a migré de 4 unités astronomiques. Je suis en train de dire maintenant. Donc on a vraiment des gros modèles numériques qui essaient de voir comment les choses évoluent. Troisième point, ça, je dirais c'est le plus fondamental, c'est la composition. Parce que, in fine, ce que je veux, c'est avoir une sorte de carte des éléments dans la nébuleuse primordiale, dans le disque d'accrétion. Et donc, pour ça, j'étudie la composition des petits corps. Je vous ai dit tout à l'heure que plutôt ceux qui sont proches du Soleil sont plutôt secs, ceux qui sont loin sont plutôt glacés, donc les comètes, les objets transneptuniens. En étudiant tout cela, j'ai une bonne vision des différentes compositions que je peux ensuite lier à des processus de formation et à des endroits dans les disques. Et là, typiquement, ce qu'on fait tout le temps, c'est la spectroscopie ou la rigueur de la photométrie avec des petits filtres, même des filtres larges parfois, et en regardant les bandes d'absorption de la surface des corps et en étudiant les minéraux, les glaçons laboratoires, on arrive à retrouver leur composition. Tercer grand type d'estudios de la composition des objets. Obviamente, in fine, ce qui m'intéresse, ¿no? Lo que quiero saber es cómo era el disco de acreción alrededor del Sol joven para luego entender cómo todo se mezcló, cómo se hizo. Entonces lo que voy a hacer es estudiar la composición de muchos objetos, los cercanos al Sol porque son más secos, es la fase silicate de silicatos, o sea, los silicatos, los metalos, y la parte más hacia afuera con los hielos, que son los cometas o los objetos transneptunianos, y así teniendo todos estos,